Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de Europa Universalis 4 avec thé, pudding, camembert, sirop d'érable, curry et tout ce que vous voulez. Vous mélangez tout ça, vous verrez, ça fait une super recette. Et bien évidemment, je suis toujours avec le meilleur cuisinier nord-américain en ce moment, le cygne noir. Salut. Bonjour tout le monde. Alors ta petite popote se passe bien? Bah écoute, ouais, sauf toujours l'erreur de terrain papillote qui fait chier, mais on va s'en remettre. Hein. Je n'en doute pas que tu vas t'en remettre. Ça va nous coûter un peu cher pendant quelques temps, mais tant pis. Bon. C'est le jeu. Si c'est bon pour toi, j'enlève la pause. Tu peux y aller. Je suis en train de regarder, hein, l'Espagne c'est 106 000 hommes quand même. Donc ça calme. Les séparatistes en Manfist. Allons, occupons-nous-en, ça tombe bien, c'est là qu'on allait justement pour attaquer ces gens-là. Alors, les Caldos, les Comanches, les Sioux viendraient. On peut appeler la Normandie à l'aide, hein, ça me paraît pas très pertinent. On peut appeler le Portugal à l'aide, ça me paraît pas forcément très pertinent non plus. On a déjà nos colonies qui sont là. Allez, c'est parti, en avant, on le chope. Il défonce la tronche. Bam! C'est cadeau, ça me fait plaisir. Faut absolument qu'on grossisse dans ce coin là. Alors, on est en guerre contre qui du coup? Voyons un peu, contre eux. Donc ici, on laisse. De quoi faire le siège. On prend cette armée là. On leur saute dessus. Non, on leur saute pas dessus, ils vont où? Putain, ils vont tellement vite qu'ils sont pas encore loqués. Et pourtant déjà, ils vont plus vite que nous, on les chope pas quoi. Il va y avoir un bug, je pense. Voilà, ils sont bloqués. On va essayer de les choper direct. C'est parti. On est full point. Putain, on est full point. Là, c'est le drame. Un truc à développer. Ça, c'est à 8. Moi, c'est de la laine. C'est un peu de la merde. Ça, c'est tout ça. C'est à 10. Ça, c'est à 15. Et c'est de la soie. C'est pas mal. Ça, c'est à 20. Ça, c'est à 13. Alors, on va développer un peu ce truc-là. Hop, un peu de points là, un peu de points là, 15 c'est bien. Oh là là, les points qu'on a. Ah là, il y a du fer, c'est parfait. Ici, un peu de trucs en avant. Hop, voilà. Allez, ça fera le taf. Un financier est mort, mais c'est pas le mec qu'on vient de. Qu'on avait eu gratos là? Oh putain, abusé. Bah, c'est peut-être pas lui. Non, ça doit être celui-là le nouveau. On va prendre celui-là. Il a 42 ans, c'est pas idéal, mais ça fera le taf. Allez, ici, il faut qu'on les chope. On perd de la stabilité, on perd des sous. On perd de la stab, j'ai pas les sous. Alors, les Sioux qui arrivent sur la province qu'on va assiéger, ça me paraît une bonne idée. Non, ils se tirent finalement, tant pis. Bon, cette fois on va faire attention au siège que fait Terra Papillote, hein, parce que. À un moment, faudrait voir à pas trop me prendre pour un con. Allez, on va commencer à explorer la Chine. C'est dommage, on va pas pouvoir prendre ce truc là. Instruments scientifiques, mais est-ce qu'ils peuvent transformer le plomb en or? Visiblement pas. Alors, il y a beaucoup trop de trucs là. Ça c'est quoi? Commerce intercolonial. Encore Terra Papillote qui fait la tronche? Bah fait la tronche. Des séparatistes iroquois? Ne me dites pas que vous êtes tous cassés. Ils sont tous cassés pour m'aider dans mon siège. Bah... Vous êtes des gros boulets. Je sais pas d'autres mots. Terra Papillote, hein, une fois de plus, voilà. On lui donne des territoires, qu'est-ce qu'il fait? Il se tire. Ah, c'est pas tout, hein, d'aller coloniser des trucs là où on lui a demandé de rien faire. Hein. Non mais oh. Toi, tu fais plus rien, toi. Autriche a rejeté l'accès militaire. Ça me paraît pas fondamentalement grave. Oui, ça je prends carrément. Toi, tes events, ça s'est un peu calmé du coup? Ça s'est un peu calmé, là j'en ai même un bien. J'ai gagné, je suis à 36 de prestige, j'ai pu recruter un mec
qui est niveau 3, qui est réduit du coup, et qui me fait prestige annuel plus 1. Et je dirais pas non. Ouais, c'est pas suffisant quand même, hein, putain. C'est dur d'avoir du moral positif. Déclin. Ah, c'est... Ouais, le déclin, tu peux rien faire contre, je crois. Ouais. Parce que je voudrais bien arriver à 50 pour pouvoir devenir un royaume, mais. Ouais, puis je pense pas que je peux faire grand chose. Pourquoi vous vous êtes arrêté là, vous? Je vous ai pas demandé de vous arrêter là. Je vous ai demandé d'aller jusque là. Aurais-je misclic? C'est une possibilité. Est-ce qu'il y a un truc avec les ordres qui pourrait me donner du prestige? Mais je suis pas certain. Merde. Ah, notre général est mort et forcément c'était le plus compétent, c'est ça que vous me dites. Ah, c'est vrai que je peux faire l'unité religieuse imposée aussi avec les clercs, c'est pas mal ça. Tiens, bah je vais le mettre. Ah oui, Lady là. Ouais, je le fais, ouais. Je le mets partout moi, où je fais mes trucs effectivement. Non, même pas Lady, non, avec les. Moi j'ai un ordre avec les clercs, l'ordre des clercs. Je peux. J'ai moins 5 d'absolutisme maximal. Ils ont ça, j'ai même pas fait gaffe, tiens. Ouais, puissance des missionnaires plus 1. Puissance cléricale. Contrôle des clercs, unité religieuse imposée. Puissance des missionnaires, tolérance envers la seule vraie foi. Ah ouais, tiens. En plus, ils seront plus loyaux. Bah oui, je prends, t'as raison. Ah ouais. Ça va encore plus booster nos conversions. J'avais même pas fait attention. Et il y a même un truc, c'est clair au conseil. Ça descend encore l'absolutisme maximal de moins 5 par contre. Et puissance cléricale plus 10%. Alors après, je vois pas trop où ça joue la puissance cléricale. Bah c'est pas lié à l'anglicane là. Ah ouais, bah si, c'est ouais ça. Oui c'est ça ouais. Donc ça augmente plus vite en fait je pense. Ouais bah oui parce que là moi j'ai moins 35 à cause de l'unité religieuse mais ça doit booster ouais. D'accord. Carrément booster. Putain je sais même plus à quoi il sert l'absolutisme. Bah pour l'instant il sert à rien, c'est quand on sera dans l'ère de l'absolutisme qu'il sera important. Ah donc oui. Donc pour l'instant effectivement il ne sert à rien du tout. Bon bah raison de plus. Ouais t'as raison, je vais le faire aussi ça. On a quoi d'autre du coup? Capacité de gouvernance plus 100, non. Puissance administrative mensuelle, non. Coût des conseils administratifs moins 25%, bof. Puissance cléricale... Ouais, bon, on va prendre. Hein. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas été faire un tour hein, là-dedans. Morale terrestre. J'y vais pas très souvent, pour être honnête. Et eux, ils ont quoi? Puissance diplomatique. Déclin annuel de la tradition navale, coup des amiraux. Ouais, mécénat. Ah, mécénat, ça m'intéresse, parce que plus 15 de prestige. Mais alors attends. Parce que ça me coûte quoi après pour augmenter le rang politique? Rien, faut au moins, il faut juste 50. Un prestige de moins 50, parce que si je fais mécénat, j'ai tout de suite 15 de prestige, j'ai 36, donc je serai à 51. Donc normalement, je devrais pouvoir passer de duché à royaume. Sauf s'il y a un coup que je ne vois pas. Bah, que t'auras peut-être en cliquant dessus, quoi. Peut-être des points admin, un truc du genre. Je vais prendre le mécénat. Et... Non, c'est bon, j'ai pu monter en royaume, ça y est. Parfait. Et eh bien du coup tu es un royaume. Et j'ai 100 de prestige. Ça va pas durer. Et après il faut un développement de 1000 pour devenir un empire. Oui ouais, bon. Un empire ouais. C'est pas tout de suite. Non mais au moins je suis un royaume. C'est déjà mieux qu'un duché. Voilà. En mettant un petit bonhomme par là, un petit bonhomme par là, on arrive à c'est gratter. C'est bien joué. C'est bien joué, j'avoue. Bon je vais gagner un peu moins de sous mais bon. J'en ai plein. Bon, eux, est-ce qu'ils veulent pas une paix déjà, les Comanches? Donc on peut rien prendre, hein. Ouais, fait chier. Les sous. Les vassaliser, non. La réparation de guerre, le transfert de puissance, classique. Allez, go. On fait déjà un de moins. Oh, ça me fait qu'un territoire de plus, c'est chiant. En plus ils sont en train de faire le taf là-haut, hein. Non ils vont se faire défoncer. Terra Papillote va se sortir les doigts.
La trêve avec Normandie a expiré. Oh non, la trêve avec Autriche a expiré, si tu veux. Ah oui, mais alors Autriche, pour moi, j'ai pas de revendication chez eux. Voilà, la Russie qui me demande un accès militaire, bon, si tu veux. Ah, t'as même pas un truc automatique ou une connerie de genre? Eh ben... Non, non, j'ai rien. Non, non, j'ai que dalle. Ah bah écoute... Alors attends, parce que déjà j'ai un nouveau diplomate, ça fait plaisir. Du attends, coup, le diplomate... Points, quoi. On va reprendre les sous. Parce que la Provence, du coup, ne s'étant pas fait prendre quoi que ce soit, on va en profiter, hein. Ah oui, c'est vrai, tiens, la Provence. J'ai pas du tout regardé. Si, elle s'est fait bouffer en bas, en fait, mais ils ont rien pris qui était ah, collé bas, à toi. Mais... Ouais, bah parfait. Bah, je vais ouais, finir. Je, vais... ouais. je crois que je vais finir ça, je pense, du coup. C'est je suis en train de faire les revendications. Rentable. Après il y aura la France. Maintenant j'ai, une... bah, j'ai fait une mission qui fait que j'ai une revendication bah, sur totale sur la France, sur tout ce qu'elle possède. Donc ah les, oui. 4, les 5 d'en bas c'est automatique. Ah ouais bah faut se lâcher là. Tu il dis hein, je fais traverser mes troupes dès que t'es prêt et on y va. Hein, parce que bon. Ah du coup j'ai perdu un rival. Ah par contre j'ai gagné la Poméranie en rival, bah, on va le prendre. Oh Danemark, Poméranie. Nous ne disposons pas de l'accès militaire avec la Normandie. Chez moi ? Ah bah oui, c'est vrai ça. C'est ouf. Demandez l'accès militaire. Bah je fais pareil chez toi au cas où j'ai une... Bon, il y a moins besoin je pense, mais... Bah si jamais t'as besoin de te replier par exemple en cas de... Oui, de en cas d'invasion. De move catastrophique. N'est-ce pas ? Je ne vois pas pourquoi. Alors, on a terminé l'exploration. Parfait, on continue. Mer de Chine. Ouais, le hérésie voisine. Ça commence à ressembler à quelque chose. On va commencer à pouvoir envoyer des gens bientôt en Australie. Même si la priorité c'est clairement de transformer ce truc là en colonie pour que ça nous lâche là. Clairement il n'y a pas photo. Pour ça faut prendre ce territoire, on prend pas une paix à moins. Est-ce que vous arrivez à gérer les gens là? Ouais, ça va. D'accord, l'Autriche est devenue une dépendance mineure de la Poméranie. Quoi? Ouais la par Poméranie. Contre 100%. Ouais de la Poméranie ouais. Ça je sens que ça... Oh la Poméranie mais c'est de la merde. What the fuck. Il y a dû y avoir une... Un mariage. Un mariage ouais ou une connerie du genre. La Poméranie. Sérieux, ah oui c'est quoi. Ça. Ouais ils ont dû perdre leur dirigeant et... Bon cela dit ils sont déjà à 100% de liberté, hein, d'aspiration à liberté quand tu vois le truc de la Poméranie. Ouais, j'avoue. Ce qui explique pourquoi je pouvais déclarer en rival la Poméranie et plus l'Autriche. Je comprenais pas. Et du bah coup, non, tu l'as déclaré? Bah oui, du coup, oui. Ah, mais ouais, moi aussi j'ai perdu le rival de l'Autriche, j'ai pas fait gaffe quoi. Bah voilà. Bah, je changerai ça quand on sera plus en guerre. Oh là là, le délire quoi. Ouais, n'importe quoi. Ah oui, n'importe quoi, oui. Bon, là on peut toujours pas prendre le territoire. Ah, on pourrait le vassaliser. Non, ils veulent pas. Ils veulent pas être vassalisés ces gens. Pour être allié à Milan, mais quelque chose me dit que c'est une idée de merde. C'est un allié de merde, ça. Oui. Vous êtes qui vous? Les Sioux, ouais. Hop. Un mec de moins. La Bohème, non, non. Je la sens pas la Bohème. Et la Suède est toujours pas. Ah bah si elle a 100% d'aspiration à la liberté, la Suède. Elle veut pas un soutien à l'indépendance? Bah écoute, essaye. Ça peut passer, hein. Ben je peux pas, nous pourrons pas demander ça tant que vous serez en... Ah oui, tant que durera la trêve avec le Danemark. Bien bien. Ah. Ça joue. Alors et une oui. Petite paix, on va lui redemander des sous à lui. Hop hop, on reprend ça. Voilà. Et maintenant, machin, les Assibimoines là. Ah, une révolte. Bah ça tombe bien, on est en train de revenir. Calmez-vous deux secondes. Aucune proposition de loi au Parlement. On pourrait pas avoir un petit colon au Parlement? Dis-moi. Qu'est-ce que tu nous proposes de beau? Un colon! Voilà, parfait. Un de stab. Ah oui, et le bourg pourri. Faut vraiment qu'on le fasse un jour, mais... C'est naze, quoi. Ouais, le bourg pourri à Calais, là. Enfin, franchement, on s'en fout. Un missionnaire? Non, il nous faut un colon. Alors, 12% de chance seulement de voter.
Promouvoir la fonction publique, perte de 5 en puissance cléricale, on prend. Ignorer la corruption. Ouais, alors corruption c'est un peu le drame là. Concession aux marchands. Les bourgeois gagnent 2 en influence. Ouais. Acheter un parlementaire, des sous, non. On va faire des concessions aux marchands. Putain, on est qu'à 50%. Ah, il y a plein d'autres trucs ici. 9 en puissance admin. Oui, on a plein de puissance admin. On sait pas quoi en foutre. 2 en légitimité, on prend. Concessions aux marchands. Non, ils sont à 60 d'influence maintenant. On va prendre un peu de corruption. Perdre un peu de points diplo. Et on a un colon. Nickel. Alors, est-ce qu'on l'enverrait pas direct en Inde? Ouah, c'est chaud, hein. Y a 3 pauvres trucs à prendre là. Ça va péter dès qu'on va s'y poser. Je préférerais l'Australie honnêtement. Ah, y a ça aussi. Ça ferait pas partie de notre île de Noël, île d'Adam, île Coco, ouais. C'est tout ça. Hein. Alors, c'est un peu de la merde, mais on va quand même dédier un colon au développement de l'Inde. C'est quand même pas mal. Ici, on fait une revendication. Menace. Non, non, on s'en fout. Allez, on a des revendications contre l'Illinois. Il fallait qu'on fasse la paix avec eux. Ouais, je sais, il se passe plein de trucs, je suis désolé d'Amned. Oh, bah fait. Hein. On prend ton territoire. Les gens sont pas contents. Et ben, c'est triste. Hop, allez, on revient ici là. Parce qu'il y a des gens. Les vertes collines de Yo machin truc. Très bien. Soutien croissant de la population écossaise. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on se fasse l'Écosse aussi à un moment. Qu'est-ce qu'on fout? C'est vrai ça? Ça va pas du tout ça. Ah, mais on n'a pas suffisamment là, vous me dites, vous êtes en train de me dire, c'est ça? Bon, Oh putain, les relous. Butez-le. Butez-moi, c'est con. Tout ça nous coûte beaucoup trop cher. Allez, on scinde. On assiège. On relance des petites explorations. Hop, c'est parti. On a une révolte. Oh, elle est relou. Les rebelles sont parvenus à leur fin. Brésil Castillan. What? C'est quoi ça? Du nouveau monde. Ouais, ils ont trouvé des diamants. Ok. Admettons. Putain, on perd des sous avec ces conneries là. Avide de gloire. Eh ben écoute, tu es avide de gloire, mon cher. Oh là là, les notifs de partout, c'est tellement le bordel. La Poméranie n'est plus un rival valable. Est-ce que ça voudrait dire que l'Autriche, ce serait... Bah... Non. Non. Bah non. Je comprends rien. Bon bah... Ouais, ça me laisse que l'Espagne en rival, quoi. Super. Merci les gars. Ah ouais, ça fait mal. Ah bah ça y est, l'Espagne veut bien être alliée. Ça y est. Ah, vite. Les bourgeois qui veulent que je les paye 600 balles pour pas perdre en loyauté. Non mais vous déconnez ou quoi? Du coup tu peux plus prendre aucun rival. Oh là là, sérieux quoi. Bah non, j'en ai que deux possibles. Et c'est le Danemark et l'Espagne. Mais bon, ça va peut-être revenir. Ah ouais. Mais déjà, je vais m'allier à l'Espagne. Parce que enfin, elle accepte. Et de. Alors, j'étais à moins 6 de qu'elle veuille bien. Après, c'est redescendu à moins 20. Après, c'est redescendu à moins 35. Et là, je suis. Elle est. Oui, pour à 72. D'accord. Ok, j'avoue. Non, mais elle s'est mise à m'aimer. Elle est passée en amicale envers moi. Peut-être qu'elle renforçait ses liens avec moi. Je sais pas. Bah, écoute.
Mariage royal, hein, amélioration des relations, opinion envers les hérétiques. Et bah alors, parfait. Quand je récupérerai mon mec dans 8 jours, je l'envoie en Espagne et nouvel allié. J'enlève la pause du coup. Ottoman ne considère plus Grande-Bretagne comme son rival. Ah. Et voilà. Est-ce qu'on se fait ces gens du coup? Tu comptes pas lancer une guerre tout de suite? Bon, tu me diras, on s'en fout un peu. Non. Ottoman n'est plus un rival valable pour la Grande-Bretagne, vous êtes sérieux? Mais à quel moment? Non, par contre, je vais faire gaffe parce que l'Espagne ne garantit plus l'indépendance de la France. Donc... Quel est le fuck? Ah, la Russie est en train de bouffer l'Autriche et tout. Oh là là, ça part en couille cette partie. Enfin, surtout les autres. Ouais, ça, le même loup qui est en train de se faire bouffer par Taffy la Fête, quoi. Taffy la Lette, pardon, excusez-moi. Taffy la Lette. Tunis, pareil. Ce qui est pas mal, c'est que si on déclare la guerre à la France, elle est alliée au Nivernais. Du coup, potentiellement... Ah. Ça peut effectivement être intéressant, ça. Bon, à la limite, ça va pas plaire à l'autre machin, là. L'Espagne. Landshut, mais bon. Non, le Landshut. Landshut. Ah, il est dans le... Non, bah non, mais si je veux prendre des trucs ah, du Nivernais, ça va. Ouais, bah de toute façon, t'as déjà des trucs dedans, et ils te les demandent pas, donc... Par contre, on est d'accord que si je le prends en co-belligérant, il peut appeler l'Empereur. Ça me paraît pas improbable, ouais. Je crois qu'on avait testé, mais je me souviens plus. Il me semble qu'on avait fait un test en plus. Je crois qu'on avait dit qu'il fallait qu'on le fasse, mais je suis pas sûr qu'on l'ait fait. Ah, d'accord. Mais dans tous les cas, je pense que c'est pas... Bon, après, Landshut, voilà quoi. Il vient avec ses alliés, quoi. Landshut, non, je pense pas. Bah, s'il vient en tant qu'empereur, il vient aussi. Il est co-belligérant automatique, donc il peut venir avec ses alliés. Ah ouais. Ouais, tu sais, quand j'avais essayé d'attaquer la Provence, là, c'est marqué... Non, mais après, je suis même pas obligé, franchement, j'ai des revendications sur les deux. Ouais, bon, ça te coûtera éventuellement un peu cher, mais encore, t'as dû prendre le bonus de truc de la réforme, là. Le truc qui fait que... Si, coût en score de guerre contre d'autres religions, moins 25. Ouais, c'est pas l'impact sur l'expansion agressive. Je l'ai pas pris, celui-là, non. J'ai pris le prestige par développement grâce aux missionnaires, vu que j'allais convertir à mort. Effectivement. Mais... Et non, j'ai pas pris celui-là. Bon, après... je déclarerais bien une guerre à la France en t'appelant que toi, parce que je peux appeler le Portugal, mais il veut des territoires. Alors, je vois pas ce qu'il veut. À mon avis, enfin, si, je pense que c'est au Nouveau Monde. Il a des chances, ouais. Mais bon... Ouais, remarque, pourquoi pas. Tu pourras toujours l'appeler plus tard si jamais on voit que c'est la merde, mais honnêtement, contre la France et le Nivernais, je suis même pas sûr que t'aies besoin de moi. Hein. C'est vrai. Mais sinon, l'Espagne, elle a pas besoin. Bah, le Nivernais et la France, non, c'est vrai que je suis pas forcément besoin de toi. Bah, t'as quoi comme estimation? C'est que dalle, non? Il doit avoir 20 péons, même ouais. Pas. Ouais, t'as raison, il y a 9000 hommes. Wow, la vache, ouais, bon. Au pire, tu m'appelles, histoire que voilà, on soit en guerre, puis que je puisse venir au cas de besoin, mais à mon avis... Je pense que ça peut être première guerre indépendante. Oui, je pense. Mais c'est vrai que c'est con, hein, parce que quand tu coches appeler le Nivernais, ça dit qu'il compte comme allié Cologne, qui pourra appeler, ça dit pas le reste, mais du coup... Ouais, je suis pas convaincu, quoi. Voilà, c'est ça le problème. C'est le problème après, du jeu, bon, c'est qu'il y a beaucoup d'infos, mais... Ça reste le Landshut, hein, on peut tester, ça coûte pas très cher, hein. Et puis là, pour le coup, je viens, sinon Portugal vient, enfin, on défonce la gueule avant le shoot. Hein. Ouais, mais je veux dire, le problème, c'est que je suis obligé de vous appeler au début, non? Non, je peux vous appeler après? Bah, moi, tu peux me faire un appel aux armes, je viendrai quoi qu'il arrive. Après, les autres peuvent refuser éventuellement, ouais. Bah, le Portugal, c'est que je sais pas si tu peux lui faire une demande après coup en lui promettant des territoires. Je crois pas que tu puisses. Si, dans l'appel aux armes, t'as une coche, il me semble. Ah, ok, d'accord, ça marche. J'hésite, c'était pour les éclater, les deux trucs là, parce que Cologne, enfin j'ai pas regardé, écoute, mais Cologne... Je vais sauvegarder un coup, et puis on va voir, hein. Au pire, on rechargera, on se suisera pour les viewers. Après, je peux peut-être attendre, on est peut-être pas loin de la fin de l'épisode, et... Non, il reste encore 5 minutes. Bon, ça fait un bon test, comme ça les viewers seront, comme ça. Parce que sinon on va encore oublier. Tu sais bien qu'on va encore oublier. Oui, je le sais. On va enchaîner direct, et puis voilà.
Ok, bah prendre le Toulousain et puis bah, on va appeler le Nivernais dans la guerre. Enfin, on va alors, dire... on va pas l'appeler, mais vous m'avez qu'est-ce compris. Que ça nous dit? C'est une guerre d'agression France-Italie à Nivernais. Ça nous dit pas plus de détails. Donc on va voir ce qui se passe. On accepte, bien sûr. J'ai commencé à faire traverser 30 000 hommes au cas de besoin. J'enlève la pause. Attends, bouge pas, j'ai envoyé 12 000 hommes là-bas. Ouais, et vas-y, fais tes moves. 36 000. Ah, c'est chiant ça. Je vais zoomer plus. Je vais repasser en vitesse 2 aussi, ça aidera peut-être. Voilà, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Notre et on fonce sur la France. C'est bon. C'est là. Hop là. Moi, je me prépare à aller mettre une petite fessée à d'autres indigènes dans la foulée. Alors toi, t'es allié avec qui, on dit ? Je suis même pas sûr que la France ait des troupes c'est en France, ça. En fait. Ouais, putain, ça se matche vraiment pas, quoi. Allez, on va attendre la fin du mois pour renforcer un coup. Allez, c'est donc parti. Donc il a bien appelé Cologne. Ah merde, on peut pas déclencher la guerre pendant le premier mois d'une guerre en cours. Mais j'ai pas l'impression qu'il appelle plus que ça. On va voir, mais... Ouais, Cologne est pas un co-belligérant, donc... Non, mais c'est possible que l'empereur compte pas comme... Ouais, c'est en cas d'alliance, quoi. Enfin, comme une alliance. Parce que typiquement, dans le cas du défenseur de la foi, par exemple... comment ça se passe, je ne sais pas. Pour l'Espagne qui fait des moves, non, c'est bon. Je vais placer mes 30 000 hommes sur le Bessin, tu m'appelleras si jamais il y a besoin d'aide. J'ai envoyé ma flotte faire un blocus de l'autre côté, là. Ça aidera toujours un peu. Alors, ici, on fait le siège. On va aller poser direct des troupes là. Il y a ce truc là aussi. Ah, ça c'est intéressant par contre. Ça, on pourrait le filer à Terra Papillote pour le coup. Allez, on a bientôt fini cette province là. On a un diplomate qui sert à rien. On va l'envoyer s'occuper de nos alliés. Bon, attention, ils sont 7000 quand même, les Shawnee. Hein, pas faire n'importe quoi, ils sont peut-être combien 7. Ouais, non, ok, non, pardon. Excusez-moi, je retire ce que j'ai dit. Ça devrait le faire. Il y a moyen qu'on se démerde. On a perdu de la stab, on va en reprendre un point, vu qu'on a trop de points admin encore. Non, on va prendre une tech, ça sera à combien? 60%? Pff, ouais non, enfin c'est bon. On va pas prendre une tech à 60% alors qu'on peut développer le pays. Bon là on prend de l'attrition. Ça pique un peu. Ça pique un peu. Ok, Natchez, c'est fait. On va aller ici parce que ça nous ouvrira d'autres trucs. Comment ça c'est limitrophe à aucune province, il te fout de ma gueule? Ah, c'est pas terminé, ça c'est une colonie, pardon. Regardons un peu à quoi ça ressemble. Le Mississippi. Ah, mais le Mississippi ça s'arrête là. Donc en fait, je suis en train de prendre des trucs qui ne servent à rien, peut-être. Ouais, ça, ça sert à rien pour le Mississippi. Dommage. Du coup, on va plutôt aller sur un truc un peu cher, ça. Allez hop. Bon, du coup, cette province-là ne nous sert à rien pour notre colonie, mais c'est pas hyper grave. Ça sera utile plus tard. Ça va péter. Des particularistes britanniques. Ah merde, là ça commence à être un peu plus sérieux par contre. Qu'est-ce qui se passe ? Répression implacable les gars, 200 points, bah on les a, allez, calmez-vous deux secondes là. Ouais, il y a un petit peu trop de bordel, c'est ça que vous me dites? Ça part un petit peu trop en couille. Allez, va là toi, c'est parce qu'il y a une conversion là, c'est compliqué les conversions, je comprends. Donc ouais, au moins on a la réponse. Bah du coup il peut pas appeler le... Visiblement, l'empereur. Ouais. Qui est une faille du coup, exploitable. Ouais, c'est vrai que c'est...
Effectivement, toi, Ah bah c'est bien, il a été réélu. Tu me feras quand même effectivement le plaisir de finir l'Écosse, parce que putain, j'avais complètement oublié. Ouais, non mais ouais, je l'arrête pas de l'oublier, cette Écosse là. Et merde, les particularistes se sont rebellés. Bon, on va les défoncer du coup. Et on a une conversion à faire, je crois que c'est dans le coin. Hein. Ouais. Hop. En avant. Une bataille navale terminée. Parfait. Ah bah oui, t'as terminé le ciel. Bon, je vais me tirer parce que je prends de l'attrition pour que dalle par contre. Ouais, j'en ai pris un peu aussi en venant avec mes bateaux. Tout à l'heure. On rentre. On va déjà passer niveau technologie 15 quoi, mais bon, ça coûte cher. Alors, on peut faire une paix. On peut prendre leur territoire, intéressant. Ils veulent pas, moins intéressant. Gain de 2700 sur les réserves des marins. Eh ben... Ok. Bon, on va tracer jusque là-bas. Ici, le siège se fait tranquille. On n'aurait pas des bateaux qu'on pourrait envoyer faire un petit blocus, là. On sait pas que le blocus de Tipeee me paraisse forcément fifou, mais... non, tiens, d'ailleurs, on va plutôt aller assiéger ce truc-là. Ça paraît plus intéressant. Pour mon Cologne, j'en ai pas vu la couleur. Écoute, hein, si jamais ça devait mal se passer, tu m'appelles, hein. J'avoue que je regarde pas trop. Non, ça se passe très très bien. Une tribu adopte la culture anglaise. Parfait. On va prendre tout ça de toute façon pour la guerre. Hein. On bouffe tout. On avance. Là, je suis désolé pour les indigènes, mais. Le Portugal et l'Espagne me stressent un peu trop, enfin me stressent, m'insupportent on va dire plutôt. Donc on va tous les bouffer. Alors là j'adore les chichimés qui résistent au milieu de l'Espagne quoi. Ils sont au milieu de la Nouvelle-Espagne quoi, mais vraiment au milieu. Impressionnant. Qu'est-ce que tu fous toi, avoir des troupes qui t'entraînent ici Portugal là. C'est que je vais même pouvoir aller jusqu'à Cologne, quoi. Ça, c'est bon, ça. Tu arrives ou pas ? Ouais. Hop. On est où dans nos différents trucs, là ? Réserve, on n'est pas trop mal. Au niveau des bateaux, par contre, ouais, du coup, on est complètement... On a complètement de quoi faire mieux. Ah, ici, les Shawnee vont tenter une attaque sur Terra Papillote, peut-être ? Non, ça m'étonnerait. Je vois pas pourquoi ils feraient ça. T'as habité avec tes 30 000 hommes, est-ce que tu peux te poser en armor ? Je devrais avoir une rébellion de 15 000 hommes qui sort. Ça t'embête pas ? En armor, hop, c'est parti. Je te dirais si ça se fait ailleurs, parce que ça peut être au Rennais, au Nantais ou au Vannetais, mais tu seras bien placé, je pense, quand ça pètera. C'est parti. Bon, bah, du coup, on va commencer notre nouvelle colonie en conquérant d'autres trucs ici, hein. Alors ça, est-ce qu'on pourrait pas le libérer, puis le rendre à... à quelqu'un qui n'est pas Terra Papillote. J'y crois pas trop malheureusement. Ici on va choper les bateaux... les bateaux... Potawotamose, Mise, je ne sais pas. Tes souhaits. Voilà, donc vous êtes plus Bah c'est bon, en armor ils ont pété là où t'étais. Parfait. Je les écrase ou ils me battent? Non c'est bon. Tu les as écrasés. Ça va. Comme des merdes, si je peux me permettre de rajouter cet adjectif. Accès militaire, il est en guerre contre les Kokom. Qui sont les Kokom? T'es en guerre contre qui? Je savais bien que t'avais des troupes ici, c'était pas le bon plan là. Naufrage d'un marchand, on perd des sous gratos. Bon bah ok.
Très bien. T'es en guerre contre les Cocom. Ah d'accord, c'est un truc de complètement de l'autre côté. Bon, je vois pas pourquoi t'aurais besoin d'un accès militaire, mais admettons. Enfin, admettons, j'ai refusé, donc de toute façon c'est mort, mais admettons quand même. Allez, envoyons des canons. Ah, mais c'est vrai qu'il y a, aussi. Je parle des Shishimeks, mais c'est vrai qu'on a eux là qui résistent aussi, là, les Powhatan là, qui sont au milieu de Terra Papillote là. Les petits coquins. Je vais finir par claquer les points pour les légitimer les trucs quoi. Ah, on a perdu un conseiller. Qu'est-ce qu'on a? Modif de limite, défense d'effort, modif d'entretien. On va prendre lui. Et Richard Northumberland. Coucou. Là, on va se poser là avec nos flottes. Alors je fais une flotte parce que j'ai vu que l'Espagne avait une flotte beaucoup plus puissante que la nôtre. Du coup, on va essayer de corriger ça. Ah, parfait, t'arrives à explorer toi. Explore donc l'océan Indien. Les tracts de Martin Marplat ignorons ses sornettes. Faisons rechercher leurs auteurs. Ouais. Adam Moore gagne en compétences. Parfait. Bien joué, Adam Moore. Et hop, on va intercepter les 4000 Français. Et je pense et j'espère que ce sera un stack wipe. Mais à mon avis, oui. 50 000 contre 4000 quand même. Voilà. Plus de troupes françaises. Toi, t'acceptes de nous donner ton territoire. Parfait. Bah, du coup, je t'autorise à faire la paix. Celui-là, par contre, on va le légitimer. Et en route sur Cologne, les amis. Alors, on a des mecs qui font plus rien. On va s'occuper un peu des pays outragés ou des pays, des pays voisins. Allez, des pays voisins. Par contre, ici, là, on en est où? Ça, c'est bientôt fini. Combien on a de provinces dans ce putain de territoire, là? On est d'accord que ça c'est les provinces. Oui, ça c'est complètement les provinces coloniales. Là. Région Canada. Région Mississippi. Donc normalement, là on devrait commencer à en avoir quelques-unes. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, ça c'est pas fini. 7, 8, 9, 10. Ouais, on est presque à 10. Si on termine ça, on sera bien. Faut qu'on termine ça. Ça on légitime, ça on va légitimer aussi parce que ça va durer trop longtemps avant de le faire. Vous, une paix. De toute façon je peux pas les prendre, donc du blé, de la thune, du commerce. Classique, voilà. Les Shawnee c'est fait, ils nous feront plus chier. Vous, ils nous font un diplomate. Allez, faut que ça se termine là. 135 par an, il en manque 130, ça va. Les grands territoires ont 12 km quand même, hein. Pareil, les terrains papillotes, ils commencent à plus déconner. Hein. Ils se sont pris une fessée. Alors ils m'ont laissé ça, tiens, étrange, pourquoi ils m'ont laissé ça? Terra Papillote qui ne joue pas le gourmand, je m'avoue surpris. Ça y est, tu me files tout ça et ta thune. Allez, bam. Les îles Coco produisent du café, parfait. Ici on va se refoutre en neutralisation des rebelles parce que par contre ça va péter je pense assez gravement. Ah et on peut peut-être finir la paix du coup là. Donc la paix, alors il reste que qui dans la guerre, il reste plus que lui. Nickel. On prend ton territoire, on prend la thune. Hop là,
Voilà. Et ça, on va légitimer. Voilà. Tu vas venir ici. Tu vas venir ici même. Alors, on a nos petits bateaux qui sont sortis. Essor du café. Oh oui, plein de thunes et du prestige. Mais on prend. Et on peut prendre une procédure religieuse. On peut reprendre des sous. Je suis pas défenseur de la foi. Nous ne pouvons pas revendiquer le titre pour les raisons suivantes. Le souverain est une femme. Quoi? Quoi? Ah bah oui, hein. Scandale! L'Espagne est aussi en guerre contre les Cocom. Non mais ça suffit, je vous aime plus de façon. Laissez-moi en paix. Bah du coup, pour la peine, j'ai envie de claquer ma thune pour faire un vaisseau amiral. Non mais oh, on n'a pas idée de faire chier le monde comme ça. Non, c'est trop loin tout ça. Ce que j'adore, c'est quand tu refuses un accès militaire d'une dépendance, t'as tout le monde derrière qui arrive. Et moi, et moi, et moi, et moi. Le mariage royal avec le Portugal est rompu. Est-ce qu'on le refait? Il faut que ça se termine là. Termine-toi. 985 colons là. On a un colon qui glande. Comment ça se fait qu'on a un colon qui glande? On va commencer du coup à coloniser. Ici. Hop, c'est parti. Ouais, merci quoi. Ouf, la Louisiane britannique, c'est fait. Et puis bah du coup, il a bouffé tout ça. Eh ben écoutez, on a légitimé pour rien, c'est pas grave. On va l'appeler la Malouisiane. Tiens. En l'honneur de Malvin. Hop! Ah, c'est propre! Une colonie de plus. Maintenant, il va falloir s'occuper de ça, du coup. Ah, puis alors là, ça fait plaisir les sous qui vont rentrer, là. Est-ce que, du coup, j'envoie vraiment quelqu'un, là? Je vais plutôt envoyer des gens ici, en fait. Ah, mais non, mais il a pris tout ça, là. Ça, c'est à Terra Papillote. Et tout ça, c'est à Terra Papillote. Et tout ça, c'est à la Louisiane. Putain, c'est le bordel, hein. Vache. Non, bah si, on va continuer, on va attaquer les grandes plaines du coup. J'ai envie de dire. Ou alors on va se poser là. Ah, on pourrait aller se poser au Brésil. Mais oui, on va complètement aller se poser au Brésil. Allez, c'est parti. Hop, un petit colon. Ici, le mec qui est en route. C'était là, on va le rappeler. On va laisser se débrouiller un peu. Et on va prendre ça. Hop, c'est parti au Brésil. Il en est où celui qui s'occupe de coloniser l'Inde là? Bon, il avance tranquillement. Ça, je pense que j'avais légitimé un truc ici. Allez, on casse ce truc, on va filer tout ça. Seconde, parce que je vois un mouvement là du Nivernais, je vais l'intercepter. Histoire de l'achever. Fais donc, fais donc. Bisous. Bon, 4000 hommes avec plus de morale, j'espère bien qu'ils vont tous crever. Voilà, le stack wipe. Parfait. Et je suis en train de faire tomber Cologne, donc ça va être le... ça devrait être un 100% normalement. Après voilà, je me disperse pas mal, donc forcément le Portugal vient faire chier ailleurs. Ici, faut qu'on termine là. On a terminé les conversions, non. Parfait. J'ai pas le 100%, mais on s'en fout. Alors, Cologne, qu'est-ce qu'on lui fait cracher à Cologne? Alors, on va regarder un peu comment ça se passe. La France est occupée, le Nivernais est occupé, Cologne est occupée. Voilà. Simple, efficace.
Bon, bah, on va rentrer. En hein. puissance commerciale, pourquoi pas. Je sais pas ce qu'il a en puissance commerciale, mais. Réparation de guerre. 180. Putain, il accepte tout, quoi. C'est bien, ça. En même temps, quand ils prennent cher. Hein. C'est bien, c'est bien. Allez, alors, on est bien d'accord hein, que je fasse pas de bêtises. Si je négocie avec Cologne, ça fait longtemps, du coup, comme Stock a tout géré. Si je négocie que avec Cologne et que j'envoie le truc. Y a que ouais. Cologne. Ouais, il si t'as cliqué sur eux ah ouais. et que t'as fait déclarer de faire une paix, c'est bon. Ouais. Ah ouais, c'est bien marqué, ils négocient pour eux uniquement. Hop. Ok, donc voilà pour eux. Ensuite, le Nivernais. Dès qu'on a fini ça, on arrête l'épisode, ça tombe bien, ça fait une ouais. belle fin. Nous devons attendre une journée. Ah. Hop, voilà. Donc ça me fait un peu d'expansion agressive, hein. Bah oui, bah ça. Ah bah là tu commences de zéro, ça va mais ça va commencer à gueuler un peu, ouais. Ah mais c'est bien, ça fait plaisir. Hop, terminé. Et que dit la France? J'ai pas de diplomate à envoyer. Ah, excusez-moi. Hop. Ah oui, une petite coalition Liège, Lorraine, France, Provence. Pardon. Excusez-moi, ouais, ça a dû s'entendre dans le micro. Ah, attends, parce qu'après j'ai pas tout pris. Hein. En prenant tout, France, Liège, Lorraine, Provence, Cologne, Trèves et Suisse. Ouais, franchement. Après, ça me fait une pénalité de relation agressive entre 1 et 53 avec 149 pays. Mais ouais, bah ceux voilà, qui pourraient 53 rejoindre, quoi. Attends, moi je faisais des trucs, on était à 150 malus quoi. Ah oui, d'accord. Quand je faisais mes paix en mode arrache là. Ah, mais j'avais pas vu. Il y a les grands territoires qui sont venus t'aider. Oh, et bah voilà, allez hop, ça s'appelle du blob. Je vais prendre cher, mais ça s'appelle du blob. Bon, tu parles. Mais... Franchement, vu comment on les a défoncés la dernière fois, quelle coalition. Enfin, défoncés. On leur a lâché une province du Portugal. Quelle coalition pourrait nous faire mal, honnêtement, quoi. Parce qu'on est bien d'accord que derrière ça, si jamais ils me déclarent la guerre, je peux t'appeler à l'aide. Ah bah oui, tu peux appeler tous tes alliés, ouais. Ouais, bon, bon, alors... Bon, bah du coup, pareil, j'ai plus assez de rivaux non plus, et je peux prendre l'Espagne, la Normandie ou le Portugal. Ouais, bah ça, c'est chiant. Et bah du coup, voilà, on s'arrête sur ce magnifique mouvement final. Ouais, franchement, c'est beau, hein, ça a plus de France, ça y est, c'est terminé. Il y a plus de France, plus de Nivernais. Et puis voilà, il reste la Provence à droite, et puis après, ce sera l'Autriche. Mais voilà, et ben, en espérant que ça vous aura plu, je suis riche, j'ai plus de 1000 pièces d'or, wouhou! Et puis, bah, dis à très vite pour la suite, en Europe avec la Normandie, en Amérique du Nord avec les grands territoires, Terra Papillote, la Louisiane, je crois, la Mali-Louisiane, c'est ça? La Mali-Louisiane, ouais. D'ailleurs, je me suis gouré, je voulais l'appeler la Mal-Louisiane et j'ai fait un misclic. Je vais faire dessus. Mali-Louisiane. Oh bah écoute, c'est pas très grave. Et ben, à très vite les gens, merci de nous avoir regardés.